Il est temps de mettre le plan en marche. La pauvre enfant que voici, elle est trop belle. Et moi qui ai la passion des œuvres d'art, j'en suis venue à désirer son admirable corps plus que tout. Prépare enfant judicieusement l'affaire. Je suis devenue intime avec la célèbre marchande d'art, Madame Iwase, sa mère. Sanaël rencontre aujourd'hui un énième prétendant, et comme à chaque fois, cela n'a pas été conclu. J'ai donc profité de la lassitude générale pour convaincre la mère et sa fille de venir admirer mon incroyable collection. Ce jeune homme qui est dévoué comme ses âmes attend mon signal dans la chambre d'à côté. Il a dans sa valise une poupée si semblable à ce précieux trésor que sa mère elle-même s'y laissera prendre. N'allez pas me prendre pour vulgaireuse. Tout ici n'est qu'art. Je me suis donc arrangée pour qu'on soit convié à cette soirée le plus redoutable détective de la région, Monsieur Akechi. Supporte-toi avec patience, insupportable, on verra bien ma mission. J'ai, pour mieux les tromper, choisi cette apparence. Mais ne vous y fiez pas trop. Comme un miroir aux alentes, je reflète mille visages et j'attrape toujours ma proie. Plus la ruse est grossière et infantile, mieux elle réussit finalement. Pour tromper les adultes, rien ne vaut une intelligence d'enfant. Tout l'art du criminel consiste à faire sienne l'innocence et la naïveté enfantine. Je peux tromper qui je veux, n'importe quel adulte.
L'argent crée des barrières entre les choses, entre les hommes, entre vous et moi. Quel ennui que ce monde imbécile, vous ne trouvez pas? Si. Dans le monde que j'imagine, on verrait des diamants et des oiseaux voler ensemble. Dans le monde que j'imagine, on verrait des lions déambuler majestueusement sur les épaisses moquettes des palaces. Dans le monde que j'imagine, de tous les êtres vivants, seuls les gens parmi les plus beaux ne seraient pas atteints par la vieillesse. Dans le monde que j'imagine, les gens entreraient sans façon les uns sur les autres. Murs et murailles seraient aussi fragiles que de la pâte à gâteau. On porterait des élastiques en guise de bacs. Mais par contre, les poignées, les mains courantes des métros, elles, seraient une débauche de platine et de diamants. Waouh, c'est beau. Ma mère ferait faillite et je serais finalement libre. Fini les projets de mariage. Un jeune et beau clochard demanderait ma main. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Tu serais libre. Ta jeunesse et ta beauté se seraient acquises pour l'éternité. Vraiment, madame? Est-ce possible? Hé, hey, oh! Ai-je l'air de mentir? Je veux vraiment t'emmener dans mon pays imaginaire. Tu es si jeune, tu es si belle, tu possèdes un corps si harmonieux, si désirablement musclé. Jusqu'à l'adorable forme de dessin que je perçois ce temps avec moi. Oh, j'ai honte! Mais comment ça, honte? Honte! En fait, rien ne m'attriste plus qu'un beau visage sur un corps parfait. La souffrance, le sentiment de son propre déclin fabrique rides et flétrissures. Le corps! Les miroirs du cœur. Si seulement vous pouvez arracher son cœur. Pardon, un être vivant peut vivre son cœur? Mais oui. Bien sûr. C'est exactement ça, c'est mon rêve.
Prends par exemple un tableau, ou alors une sculpture, ou toute autre œuvre d'art et regarde-la bien. Regarde. Regarde bien. Jusqu'au plus profond d'elle-même. Quelle perfection! S'occupe-t-elle d'avoir un cœur? Œuvre d'art pour l'éternité dans son immuable jeunesse. J'ai quelque chose à te dire qui te réjouira. Une très très belle surprise. Qu'est-ce que c'est? Allez, dites vite. Oui, mais j'espère que ta mère ne m'en voudra pas. Je crois avoir rencontré quelqu'un qui te conviendrait parfaitement. Un très 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 beau garçon. Je suis à peu près sûre que vous formeriez un couple merveilleux. Je connais bien tes goûts. Je suis à peu près sûre de ce que je fais. Et le croirais-tu? Il se trouve justement dans la chambre d'à côté. J'aimerais beaucoup te le présenter. Ça ne te dirait rien de le rencontrer si jamais ce garçon te plaît. Tu pourras en faire ton amant. Vous pouvez pas me faire une telle promesse. Je le connais même pas. Eh bien, appelons-le. Ah, parce que ce monsieur, il est vraiment dans la chambre à côté? Ah, vous êtes vraiment terrible, vous avez tout prévu. Mais oui, et sache que c'est aussi parce que tu m'aimes très, 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 très cher. Servant! 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 Ah, j'ai peur! Mais comment ça, peur? Quel enfant! Ah non! Vous vous trompez! Depuis que je suis toute petite, apparemment j'ai un don pour deviner les choses. Et un don bien développé. Et là, je vois un monde éblouissant s'approcher de moi. Depuis toujours, je suis aussi protégée qu'une œuvre d'art. Choyée, dorlotée. Moi, mon rêve, ce serait qu'on me vole. Et surtout, surtout qu'on ne m'achète pas. J'ai toujours été à l'abri des paix barreaux de fer assis sur un coussin de velours. Et je suis fatiguée de lire dans le regard des badauds l'immense vantardise de leur vain défi. Je ne peux plus qu'espérer l'héroïque regard des hors-la-loi. Ce regard, mais ce regard, quelle tension dans le regard. Quelle tension dans le regard. C'est bien. C'est bien. Ne dites rien. Ne dites rien. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Pour vous aider à rester silencieux, je vais parler, moi, à votre place. J'aime les gens jeunes et beaux quand ils se taisent. J'aime leur silence. De toute façon, leurs paroles ne sauraient qu'ordinaire. D'une banalité destructrice pour leur beauté, leur précieuse jeunesse. Et les vêtements, comme ils sont inutiles, ils ne sont faits que pour cacher les corps vieillis, enlaidis, diffants. Les pores de la peau ne s'entr'ouvrent-ils pas pour l'amour? Le léger duvet qui recouvre les corps, n'est-il pas aussi beau que des lèvres, qui s'offrent? Et si un visage rougissant de confession est déjà si admirable, que dire des corps qui s'empourprent dans l'impudeur du plaisir? Mais c'est la nuit. Notre heure approche. Loin de toutes ces nuits des gens médiocres, nos nuits à nous sont des falaises abruptes. Elles enveloppent dans leur sombre forêt le sommeil des justes, le sommeil des familles. Tout est prêt. Le chauffeur guette. Il attend que s'enclenche mensonge et ruse, comme un mécanisme bien huilé qui se mettrait doucement en mouvement. Une simple pression. Et tout commencera. Alors, à cet instant précis, La machine du mal se mettra en route joyeusement. Servant! Et plus rien ne pourra l'arrêter. Si vous montriez à Mademoiselle Sanae. Oui, quoi donc? Eh bien, ce que vous avez acheté hier chez cet antiquaire. La belle poupée ancienne en robe de mariée. Oh oui, je l'amène immédiatement. Il faut vraiment que je vous montre cette poupée. Avec son air de jeune fille, son beau visage, elle me fait penser à vous, Sanae. Alors, que pensez-vous de ce garçon? Oui, j'ai jamais vu quelqu'un comme lui. C'est timide et d'une grande discrétion, mais avec tout de même un regard et très audacieux. Mais oui,
c'est exactement ça. Il a, comment pourrait-on dire, un air énigmatique. Tu es mignonne. Vraiment mignonne. Si mignonne que... J'aimerais te tuer là. Maintenant. Comme ça. D'un coup. Tout de suite. Être fille de riche. L'ennui des mariages bourgeois. La vie à l'hôtel. Tout ça va finalement disparaître. Je vais devenir une toupie en argent qui tourne. Oh, quelle vision! Mais oui, c'est ça. C'est exactement ça. Si tu fais ce que je te dis, il en sera ainsi. J'ai confiance en vous, madame. Oh, le regard de ceux qui croient en moi me ravit le cœur. Le beau ciel bleu s'est empourpré sous le soleil couchant. Les singes ont décoré le dos des vaches avec des bougies et poussent des soupirs de gros bonjour. Voitures de soie, gouvernement de nains, femmes naissant du crâne des hommes et homards nés de l'oreille des femmes. Des hommes brûlent dans la montagne et la mer brûle au cœur de l'homme. Oui, le chapeau de la grenade s'est émietté comme du verre. Un nouveau monde s'ouvre à toi, Sanaï. Si pleine de l'envie de mourir. Le monde était si ennuyeux. J'étais pauvre et sans personne. Et ce soir-là, sur un banc, dans un jardin, je me demandais comment mourir. C'est alors qu'une belle voiture s'est arrêtée. Vous en êtes descendu, avez fait quelques pas. Toute vêtue de noir, votre beauté m'est entrée dans le cœur comme un poignard. Votre parfum m'a envahi par surprise. Que tu étais beau. Ce fut sans doute ton ultime instant de beauté. Tu portais un pull blanc, immaculé. Ton visage éclairé par la lumière des réverbères. Et tout ton être comme suffoqué par l'odeur des jeunes pousses à peine écloses. Tu étais un véritable tableau. Les cheveux brillants. Le regard lointain, transparent, tu portais en toi ce vide des dessins au pastel que te conférait l'ombre de la mort posée sur toi. C'est à ce moment-là que, pauvre jeune homme, je résolus à te faire entrer dans ma collection. Tu m'as souri, je suis devenu ton esclave. Tu t'es assis à côté de moi sur le banc, nous avons échangé quelques mots. C'était doux comme un rêve. Je t'embrassais. Dans un rire, tu m'as essuyé les lèvres de ton mouchoir. Je n'ai plus rien senti. Du chloroforme. Du chloroforme. Il n'y a pas plus romantique que le chloroforme. Comme le rideau de théâtre qui tombe à la fin de l'acte, le mouchoir en chloroforme descend sur un instant de bonheur humain pour le dérober au monde. Mes hommes t'ont ramené jusqu'à ma résidence secrète. Et cette nuit-là, sans plus tarder, tu aurais pu devenir mon joint.
Et que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Ta violence lorsque tu revins à toi, tes cris de détresse, tes pleurs. Laissez-vous! Ne dites plus rien. Ta beauté s'effrita, se désintégra. Alors qu'habité par ta volonté de mourir, tu resplendissais. En ton combat pour la vie, tu devins laid. Oh, je ne t'ai pas laissé la vie par je ne sais quel égarement sentimental. Ce qui t'a sauvé, c'est mon agacement face à tes serments d'esclave. Depuis, je te suis d'une fidélité exemplaire pourtant. Dis-je une seule fois trahi. Trahi, non. Trahi, non. Que des bêtises. Ah, Sylvain Détroit! Ah, 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 ah
trop tard. Et c'est cette même angoisse qui les rend belles. Et grâce à cette horrible lettre de menace, toi aussi, pour moi, tu es devenue une œuvre d'art. Oh, ça y est. Ah, je crois que je vais m'endormir. Oh, grâce au ciel. Enfin, il ne faut pas que je pense que j'ai sommeil, parce que sinon, après c'est fini, je ne peux plus m'endormir. Alors, ta mère n'a pas sommeil, ça n'arrive pas le monde au vu monde, non. Je n'ai pas sommeil, je n'ai pas sommeil, je n'ai pas sommeil. Et puis ça suffit. L'homme est un animal qui dort. Les œuvres d'art, elles, ne connaissent pas le sommeil. Le soir, lorsque le calme tombe sur la ville endormie, les peintures, dans leur écrin cadenassé, dans les coffres des grandes banques, les sculptures gardent les yeux grands ouverts. Elles ne rêvent jamais. Le syndicat des marchands d'art veille jalousement à préserver leurs valeurs. Pas de chute possible. Les êtres qui vivent de leurs propres valeurs, pourquoi auraient-ils besoin de rêver? Ça n'est! Pourquoi? Les œuvres d'art ne connaissent pas le sommeil. Elles connaissent l'angoisse et les grandes maladies que porte en elles chaque œuvre d'art. Et les œuvres ne meurent jamais. Toutes les œuvres sont malades. Et plus la maladie est grave, plus la valeur augmente. Tu vois, ta mère, elle contraint les gens à acheter de la maladie. Un mal pur, rayonnant. Terrible.
Commence à se préciser. Ah, bon sang! Mais c'est encore cette stupide farce! Ah, les imbéciles! Se moquer comme ça du sommeil des gens! Et votre fille, y a rien à signaler? Oui, tout va bien, elle dort à côté. Tout va bien. Ne la réveillons pas. Elle avait déjà du mal à s'endormir. Tout à l'heure, elle ne se sentait et pas... Et la fenêtre, vous avez vérifié? Elle est fermée depuis ce midi. J'ai mis le verrou de sécurité. Bon, monsieur Aketine, merci. Bonne nuit. Vous pouvez fermer la porte à clé et garder la clé avec vous. Non, il vaut mieux que je reste un peu ici dans ce salon. Laissons la porte de communication ouverte aussi. Lorsque le crime approche, la nuit devient vivante. Je l'ai vécu plusieurs fois. Tout à coup, sa température augmente, son pouls s'accélère et sublime apothéose, la nuit, cette nuit-là, accueille alors le crime, en fait son amant. Et parfois le sang coule aussi. Ouh. On voit que vous vous y connaissez. Le crime et vous entretenez le même rapport qu'une photo avec son négatif. Vos yeux voient ce que voient les yeux du criminel. Votre cœur en ressent les émotions. Ce n'est pas mal ce que vous dites. C'est intéressant, ma foi. Cependant, ce n'est pas aussi simple. Le crime exige une qualification. Vous comprenez ce que je veux dire ? Une qualification dont même un criminel ne pourrait avoir conscience. Une qualification. Une qualification. Prenons l'exemple de trois jeunes filles qui aiment particulièrement les roses. Supposons qu'un jeune homme leur offre des bouquets. Chacune voulant sentir le parfum des roses, plonge le visage dans les pétales pour y apercevoir caché un horrible et répugnant insecte. Imaginons la réaction de la première. Elle pousse un cri, jette les roses dans le feu qui brûle à ses côtés. Cette jeune fille-là n'est pas de la race des criminels. Ah bon? Et pourquoi?
verrons plus tard. Passons à la deuxième. Lorsqu'elle aperçoit l'insecte, elle garde tout son sang-froid, prend la bête, la jette dans le brasier et jouit tranquillement du parfum des roses. La troisième jeune fille, elle, ne veut ni tuer la pauvre bête, ni jeter les roses au feu parce qu'elle a bon cœur. Après mûre réflexion, elle pousse le jeune homme dans le feu d'où il sortira des figurines. Vous me suivez? Ça va? Si la troisième jeune fille agit ainsi, c'est qu'elle est la bonté, la sensibilité même. La première jeune fille fait preuve d'un reflet inconscient de cruauté en jetant fleurs et animaux au feu pour se sauver elle-même et préserver l'ordre social. La deuxième jeune fille, de son côté, montre une cruauté consciente, réfléchie, car avec une logique implacable, elle marque des degrés entre la vie de l'insecte, la rose et l'ordre social. La troisième, fidèle à sa bonté, elle renverse d'un coup les principes moraux et l'ordre social. Des trois, la troisième se montre la moins cruelle. Cependant, force est de constater qu'elle possède cette indéniable qualité qui caractérise le criminel. On peut dire que c'est plutôt bien raisonné. J'ai encore jamais rencontré de détective tel que vous, qui aime à ce point le crime, qui le crédite d'une telle aura passionnée et romanesque. Dans n'importe quel délit, le criminel poursuit une chimère. Notre société moderne tout entière est verrouillée par le droit. Agglomérat de cloisons de bambou, de poutres d'acier, de murs en béton, on ne peut avoir prise sur elle. La dentelle, la soie, les fleurs de sang se meuvent en toute élégance à l'extérieur de cette citadelle. Plus raffinée que toutes les armes du monde, que toutes les machines à laver avec leur prétendu label de sécurité. Tenez, regardez par exemple cet instrument. Ce n'est pas vous que je vise. Si quelqu'un pénètre par la fenêtre dans la pièce voisine, cette arme va cracher du feu. Cependant, et vous me suivez bien, n'est-ce pas? Dehors, on ne voit rien. C'est la nuit, solitaire, étoilée. Mon pistolet se trouve braqué face à l'immensité noire, imprévisible, chargée de l'air glacé de ce début de printemps. Mais quand je tirerai, la nuit ne s'effondrera pas telle une cible touchée de plein fouet, et le soleil toujours aux antipodes ne s'enlèvera pas pour autant devant nous. Cette arme poursuit un rêve, tout simplement. Elle échappe aux règles de la logique. Elle n'attend qu'une seule chose. Elle attend que le pouls de la nuit s'accélère, que sa température augmente et que peu à peu monte une puissante odeur animale. Elle attend l'instant où une silhouette humaine apparaîtra. Oh, si je vous tirais les cartes! Il n'y a plus qu'une minute avant minuit. Bah oui, alors... Vous voyez bien qu'il ne se passe rien. Cependant, en une minute, il peut quand même se passer. Vous faites donc tant confiance au criminel. C'est incroyable. Il a lui aussi sa réputation. C'est une question d'honneur. Akechi, vous me faites peur, là. Le bruit de l'eau, là. Dans les tuyaux de la pièce voisine. Ou alors, les tableaux qui tressaillent ou les murs qui craquent. Tout ça, c'est normal, non? Selon vous, tout, dans l'endormissement le plus profond, peut soudainement se métamorphoser. Par exemple, le mot Fuji dans son cadre. D'un seul coup se changer en une énorme femme nue. Ou alors, la lotion pour mes cheveux, là, dans la salle de bain, devenir un violent et splendide poison. Ou alors même, là-haut, le nœud dans les boiseries, devenir un œil humain, violent et sanguinolent. Akechi, vous me faites peur. Vous me faites de vrai. Il est tout juste minuit. Ouais.
moi qui ai gagné donc. Eh bien, je sais pas. C'est bizarre, non? Vous entendez là? Le grondement du temps. Akechi. L'heure du criminel est plus exacte que l'exactitude des rois. Le criminel avance sur un chemin purifié. Pour ma part, je n'entends rien. La montre du criminel est détraquée, c'est tout. Lorsque l'heure du crime approche, je le sais pour l'avoir vécu plusieurs fois, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tout d'abord, l'ambiance devient pesante. Les rideaux se raidissent comme un torrent qui gèle. Les larmes des lustres en cristal s'entrechoquent et c'est alors que sous une forme connue de lui seul, le criminel fait son entrée sur la scène. Ouais. Mais Akechi, si Cécile faisait des fours ce soir. Akechi, nous sommes trop tranquilles, trop sûrs de nous. Si le criminel était là, dans cette pièce, parmi nous, et que nous ne nous en apercevions pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien, je sais pas. C'est certainement mon imagination, sans doute, mais... Sonnerie. Elle a été enlevée, c'est ce que vous insinuez. J'en ai l'horrible pressentiment. Mais mademoiselle Sonnerie... Oui, elle dort dans la pièce d'à côté, près de sa mère, bien entendu. Quoi, la franquette? Eh bien, je sais pas où on vient. Votre fille, vous pouvez vérifier, s'il vous plaît, c'est bien elle qui est dans le lit. Mais c'est complètement stupide. C'est ma fille, enfin. Si ce n'est pas elle qui est-ce. Cet enlèvement a eu lieu il y a au moins 2 heures.
avant l'arrivée de ce message. Ce n'était pas un avertissement, mais un piège. Nous avons tous été retenus ici dans ce salon. Et pendant ce temps, le criminel prenait ses jambes à son cou. C'est-à-dire que pendant 2 heures, un célèbre détective, un fin limier, aura été retenu dans cette pièce pour une tête de poupée. Vous n'y êtes pas du tout, madame. Je suis sincèrement navré de ce qui vous arrive. Ah, et quoi donc? C'est vous qui avez perdu, ce n'est pas moi. Quel mauvais joueur! C'est incroyable! Qui, moi? Oui, vous avez perdu et vous n'acceptez pas votre défaite. Quant au criminel, lui, pendant ce temps... Mais madame, vous vous imaginez peut-être que je l'ai laissé s'échapper? Bien non, il est parmi nous. Oh, vous divaguez, vous rêvez tout éveillé. Quand je vois ce regard si pur et si lointain... J'ai surpris un rêve, oui. Un peu compliqué peut-être, mais par où commencer? Ah oui, votre ami, Servant. Pardon. Dans mon rêve, bien sûr. Autre chose, le contenu de cette malle. Vous connaissez, n'est-ce pas? Eh bien, je suis désolé, moi aussi je le connais. À vrai dire, tout mon art dans cette affaire a consisté à dissimuler mon impatience. Ah, et que faites-vous donc de Monsieur Servant et de sa valise? Le gentleman, ne vous en déplaise, il a brillamment disparu. Et le criminel? Vous avez dit que vous le teniez? Il est avec nous. Mais il n'y a que vous et moi ici. Vous oubliez madame, élégante parmi les élégantes. Dois-je vous la présenter? On l'appelle le lézard noir. C'est elle, l'instigatrice du rapt de Sanaé. Quelle accusation incroyable! Il vous a dit quelque chose. Cet homme, non content d'accumuler les bêtises, ne se gêne pas pour mettre les autres dans des situations impossibles. Vous pouvez dire ce que vous voulez pour essayer de vous disculper. Si vous regardiez dans votre poche Okay.
regarde cette ruche, tu glisses. Petits oiseaux, ne soyez pas si pressés. Vous aurez tout le temps de perdre. Oh, ça va, attends, je trouve pas les dessins. Oui, bah écoute, alors on fait une petite pause café parce que moi ça commence à le faire. Oh, attends, arrête-toi parce que moi ça fait encore plus longtemps que toi que tu es là. Ah, bah écoute, ça m'étonnerait, je suis là depuis 1808. Et moi alors, tu crois que tu es là depuis quand? Bon, vous arrêtez les gars, je vais les trouver les dessins, ça va, oh là là. Mais nous, ça fait encore plus longtemps. Bah, tais-toi, personne ne te voit. Ouais, ça va, on me voit bien là, regarde comme je le tiens bien mon tonneur. Vous arrêtez les gars, ça commence à me fatiguer. Bon, on l'a fait cette pause café, allez, je vais arroser les plantes. Germaine. Oui. Germaine. Oui. Germaine. Oui, quoi? Est-ce que il te reste quelques pièces? Oh ben écoute, je n'ai déjà pas assez pour mes pauvres à moi, alors débrouille pas. Écoute, il y a une petite fille ici qui est le bras tendu à me demander quelque chose, mais je la comprends pas. Pourquoi? I'm hungry! I'm hungry! Tu vois, je t'avais dit qu'elle était bizarre. Oh ben écoute, ça doit être une étrangère, hein, donne-lui quelque chose. Bah ben, pourquoi? Oh ben écoute, il fait toujours bien avec tout le monde. I'm Adoré.
Charlène. Sognons mieux ce vos germans, oui. J'observe mon air. Bon, ça va, hein? Tu fais toutes les nuits le même coup. Si ça continue comme ça, je vais me coucher. Hein? Vas-y, fais-toi plaisir. Oh mon Dieu, ça brille plus sous mon armure. Excusez-moi, je vais aux toilettes, j'en ai pour 5 minutes, j'arrive. Ouais, tu fais toujours pareil, et puis finalement c'est quoi qui se passe, c'est moi. Ah bah non, mais vraiment j'en ai que pour 5 minutes. Je vais aux toilettes et puis je vais juste chercher mon chapeau que j'ai perdu, tu l'as pas vu? Bon ça va, tu fais toujours la même. Attends, j'arrive, je vais le chercher. Là, il est par là, non, ça c'est un casque, c'est pas ça, attention. Ah, je l'ai trouvé. Ouais, est-ce que quelqu'un pense à moi? Parce que j'ai pas envie de me faire écrabouiller. Voilà, lourdingue, toujours pareil. Bon, bah écoute, tu tires ou tu tires pas? Ça fait 2 heures que j'ai tiré. Ah bon? Où ça? J'ai dit, bah là. Où ça? Là. Ah oui, c'est vrai. Bah, pourquoi ça arrive pas? Bah, je sais pas. Bon, arrêtez, j'ai pas envie de faire écrabouiller. La la la, j'ai ramené mon petit nœud rose pour la guerre. La la la, la 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 la. Bon, est-ce que quelqu'un peut l'arrêter? Parce que ça devient pas du tout sérieux, ça. Les gars, on est là. Personne ne regarde jamais. Thank you.